Coucou les loulous, mon arbre, c'est un livre de Marianne Dubuc, publié aux éditions Casterman, avec des rabats surprises. Au milieu d'un grand pré se tient mon arbre. On ne le dirait pas comme ça, mais ce grand arbre abrite de nombreux secrets. Quand on creuse dans la terre, qui se cache entre les racines? C'est Madame Taupe qui aime tant les livres. Bonjour. Au pied du large tronc, qui se cache sous l'écorce? C'est la petite souris qui fête son anniversaire. Youpi! Tout au fond du trou, qui se cache dans la pénombre? C'est Hibou et sa famille qui font la sieste. Chut! Suspendu à la plus basse des branches, qui se cache au milieu de ce bourdonnement? Ce sont les abeilles dans leur ruche, pleine de miel. Miam! Agrippé à une grosse branche, qui se cache derrière tout ce feuillage? C'est le petit chaton qui ne sait plus comment descendre. Miaou. Éparpillant sa poudre magique, qui se cache derrière ses feuilles vertes et tendres? C'est la petite fée qui fait son ménage du dimanche. Tout en haut du tronc, qui se cache derrière tous ces glands? C'est Monsieur Écureuil qui partage son goûter. Cric, croc, croc. Accroché aux plus hautes feuilles de l'arbre, qui se cache au bout de ce fil? C'est le cerf-volant préféré de Charlotte. Il est coincé dans les feuilles. Oh zut! À la cime de l'arbre, qui se cache derrière ses brindilles? C'est la famille Oiseau qui déjeune dans son nid. Bon appétit. Au-dessus de l'arbre, qui se cache derrière la petite feuille que le vent emporte au loin? C'est petite coccinelle qui part pour un beau voyage. Au revoir! Au milieu d'un grand pré se tient mon arbre, un arbre plein de cachettes et de gentils habitants. Quand on y regarde bien, c'est un arbre où il fait bon vivre, tous ensemble. Youpi! Bonjour! Chut! Miam! Miaou! Oh zut! Hatchoum!
Bon appétit. Cric, crac, croc. Au revoir. J'ai montré, j'ai raconté, le temps a passé. Et mon histoire est terminée. Au revoir les petits amis. À bientôt pour une nouvelle histoire.